Notre-Dame de la Charité de El Cobre est la sainte patronne de Cuba. Son sanctuaire est à 27 km de Santiago de Cuba, dans le village de El Cobre, où l'on exploite essentiellement le cuivre depuis plus de 4 siècles. La dévotion pour cette Vierge de la Charité naît au début du XVIIe siècle. On raconte que ce sont trois hommes, deux indigènes et un jeune afro-cubain d'une dizaine d'années, qui aurait trouvé sa statue en 1612 alors que celle-ci flottait dans les eaux de la baie de Nippe. Les mots « Je suis la Vierge de la Charité » étaient inscrits sur son socle. La Vierge est représentée avec l'enfant Jésus posé sur son bras gauche et une croix dans sa main droite. D'abord transportée au village de Barajagua, celle-ci est ensuite transférée définitivement au village de El Cobre, où les habitants en 1648 érigeront sa première chapelle. Mais peu à peu, la chapelle s'agrandit et en 1680 devient une église. La réputation miraculeuse de la Vierge s'étend à toute l'île, attirant la dévotion de tous ses habitants sans aucune distinction. Qu'ils soient blancs, métis, indigènes, mulâtres ou afro-cubains, tous venaient implorer son intervention. Le sanctuaire est toujours très fleuri. Il se trouve sur une colline. Il faut gravir 240 marches pour l'atteindre. À l'intérieur, la chapelle des miracles abrite les ex-voto que tous ceux qui ont obtenu une grâce de la Vierge ont laissé là. Au-dessus du grand autel de la basilique, la Vierge et l'enfant Jésus portent chacun une couronne d'or. Cette sainte image de Marie renvoie au syncrétisme religieux des Cubains. Les aborigènes l'assimilent à Atabé, la déesse native, et les Africains à Oshun, la déesse maîtresse des eaux. Viva la madre de los cubanos! Viva la madre de los cubanos! Pour les Cubains, cette Vierge est également un symbole patriotique. C'est devant cette image de la Vierge qu'a été lu le 19 mai 1801 le brevet du roi concédant la liberté aux esclaves qui travaillaient dans les mines de cuivre de El Cobre. Et c'est là, en 1868, durant la guerre d'indépendance, que les rebelles séparatistes, les Mambis, s'en sont remis aux mains de la Vierge Mambisa pour qu'elle leur donne la victoire face aux forces espagnoles. Et là aussi que les combattants de l'armée libératrice, après l'indépendance, ont célébré officiellement sa fête le 8 septembre 1898. Notre-Dame de la Charité a été proclamée sainte patronne de Cuba par Benoît XV le 10 mai 1916, à la demande des vétérans de la guerre d'indépendance. Quelques années plus tard, en 1927, la statue de 84 cm de haut est transportée dans un sanctuaire beaucoup plus grand et en 1936, elle est couronnée solennellement par une délégation du pape Pie XI. Plus tard, après le triomphe de la Révolution de 1959, les rapports entre l'Église et le gouvernement communiste s'estompent. Mais le sanctuaire national de Notre-Dame de El Cobre est quand même élevé au rang de basilique mineure en 1977 par Paul VI. En 1998, Jean-Paul II vient à Santiago de Cuba et rend visite au sanctuaire de la Vierge. Il y couronne cette très sainte image mariale, reine et patronne de Cuba. Enfin, en août 2010, après 51 ans d'absence, la Vierge de El Cobre est de nouveau portée en procession dans les rues de Cuba. Symbole de dévotion, patriotisme et réconciliation. En harmonie avec l'usuelle dévotion mariale, le 8 septembre, les pèlerins affluent au sanctuaire, chargés de fleurs et de cierges. Certains se limitent à prier, mais d'autres gravissent à genoux les marches de la basilique. D'autres encore y montent portant à bout de bras un membre de leur famille handicapée. Les fidèles ramènent avec eux de petites pierres contenant des particules de cuivre, symbole de la protection et de l'amour de leur Sainte Mère, reine et patronne de Cuba.
Sainte Marie de la Charité, messagère de paix, venue sur la mer en flottant sur les eaux, tu es la mère de tous les Cubains. Nous venons à toi, Sainte Mère de Dieu, pour t'honorer de notre amour d'enfant. Dans ton cœur de mère, nous déposons nos anxiétés et nos espoirs, nos chagrins et nos suppliques. Pour notre patrie déchirée, pour que tous ensemble, nous arrivions à reconstruire la paix et la concorde.